Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve, et oui, coucou, c'est moi. Voilà, et ben, ça va quand même beaucoup, beaucoup mieux, hein. J'ai encore le nez un petit peu pris, mais au niveau tout ce qui est gastrique, machin et tout, tout va bien, tout s'est remis dans l'ordre. Il n'y a plus que, voilà, le système respiratoire qui bricole encore. Bon, alors, on est vendredi, et oui, et vendredi. C'est spaghetti, et non, au vendredi, c'est baccalauréat, voilà. Donc, on va faire le petit tirage au sort, et pendant que je vais faire ce baccalauréat, eh ben, je vais faire, enfin, je vais continuer le carillon que One Day Saving m'a envoyé avec tous les petits papillons, voilà. Faut quand même que je l'avance, hein, j'ai fait que 3 pièces dessus. Donc, on se met sur le bureau. Et puis on commence le tirage ainsi que le jeu. Donc, alors, comme d'habitude, les lettres qui sont déjà tirées, elles sont ici, n'est-ce pas? Voilà. Et là, les lettres qui restent à tirer. Alors, c'est parti. Je ne regarde absolument pas. Un, deux et trois. Qu'est-ce qu'elle nous a tiré comme lettre? Alors, attention. Ouh, aïe, 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 aïe. Le cul. Eh oui, bah, ça fait partie des lettres de l'alphabet, hein. Va falloir y passer, hein, malheureusement. Hop, je le mets ici. Voilà, la lettre Q. Bon. J'ai pas pris de feuilles pour noter mes réponses, c'est pas grave, je les noterai pas, et puis c'est tout. Alors, la lettre Q, je sens que ça va être un tag assez rapide, hein, parce que la lettre Q, il n'y a pas grand-chose, ça va être un peu compliqué. Et par contre, l'aillon, qu'est-ce qu'il me fait le papier là? Ah, voilà. Allez, c'est partoche. Donc, un fruit avec la lettre Q. Un fruit avec la lettre Q. Je vous dis que ça va pas être simple. Des bonnes, c'est des bonnes prunes, ça. Des quetsch. Qu'est-ce que c'est bon, ça. Des quetsch. Ensuite, une ville. Une ville. Alors là. Qui... Eh ben, Quiberon. Bah oui. Bah non, mais qu'est-ce que je suis doux, moi. Quiberon. Bah oui, ma ville de Quiberon, en Bretagne. Oh, j'aurais oublié ça, mon Dieu. Un prénom de fille. Quachnaël, non? Kenel, non? Qui, j'en sais rien, moi, qui sera un prénom de fille. Non, je pense pas qu'il y en ait, mais bon, non, ça me vient pas du tout, là. Un animal. Un animal.
toi. Qui? Voilà. Un canard. Mais non, je sais, c'est avec un C, un canard. Un quoi, je sais pas. Non, ensuite une fleur. Ça va être le tag de la loose. Alors, je vais peut-être dire une bêtise parce que je sais pas, mais je tente quand même la fleur de quinoa. Voilà, je sais que le quinoa est une céréale. Bah, c'est comme les fruits, hein. Eh bien, souvent il y a une fleur avant d'avoir un fruit. Alors peut-être que le quinoa fait une fleur avant, j'en sais rien du tout. Un arbre. Un couetchoyer, non? Ben non, parce qu'en fait les pêches, les couetches, c'est des prunes. Donc c'est un prunier qui fait des couetches. Donc un arbre avec un cul. Et ben je sais pas. Une marque. Oh là 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 là, quelle horreur cette lettre. Une marque. Ah, et puis j'ai plus de batterie. J'espère qu'elle va tenir jusqu'au bout. Alors, hop, une marque. On sait rien. On sait rien du tout. Un écrivain, bon, c'est bon, je passe directement, c'est même pas la peine. Un objet du quotidien. Un objet du quotidien. Tous les jours, j'utilise mon cul. Je sais rien. Un héros ou héroïne de film, je passe direct, c'est pas la peine. Un personnage historique, oh, je passe aussi, c'est pas la peine. Un acteur, je passe. Un aliment.
Et bah le quinoa, tout simplement, voilà. Le quinoa. Une couleur. J'en sais rien. Un métier. Un métier. Alors, ce que je trouve, ça commence par des corps. Un métier. Je sais pas. Alors, un fleuve ou une rivière. Alors, fleuve, rivière, et nous rajouterons mer et océan. Je sais plus qui c'est qui me l'a dit, mais c'est vrai que voilà, c'est tellement vaste que je rajoute mer et océan. Voilà, fleuve, rivière, mer ou océan. Commençons par la lettre Q. Bah, de toute façon, ça ne va pas m'aider plus que ça. Ensuite, un jeu. Bon, bah là, ça fait déjà un moment que j'ai dans la tête. Hein. Bah, le jeu de quilles, tout simplement. Voilà. Une partie du corps. Les quadriceps sont des muscles. Une race de chien. Une race de chien. On sait rien. Une série télé. Code Quantum. Après, il y a Code. Mais bon. Vous voyez, Code Quantum. Une chose. Chose. J'en sais rien. Un vêtement. Je sais pas. Un gâteau. Un 4 quarts. Ah, j'en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps en plus. Hop. Un prénom de garçon. Quentin. Un sport. Sport. Je sais pas. Un pays. Un pays.
je sais pas, un légume. Un légume. Ouais, c'est vraiment pénible cette lettre. Je sais pas. Chanteur ou chanteuse? Je sais pas. Un lieu touristique. Un lieu touristique. Quand on voyage encore, c'est facile, mais là, un lieu touristique. J'en sais rien. Une planète. Bon, alors là, c'est encore là, plus la catastrophe. Une planète. Je sais pas. Un jouet. Bon, je vais leur dire une quille, hein, parce que j'en sais rien du tout. Puis il faut dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a après? Une actrice. Une actrice. Je sais pas. Ah si, acteur ou actrice. Acteur, je l'avais pas tout à l'heure. Steve McQueen. Eh oui, Steve McQueen. Anthony Quinn aussi. Une série télé, Dr. Quinn. Bah oui. Oui, ça me vient comme ça d'un seul coup là. Une actrice. Je sais pas. Bon, cinéaste ou réalisateur, Quentin Tarantino. Je sais que c'est Tarantino, mais bon, je vois qu'on a tous un petit peu de mal à dissocier les prénoms des noms, hein, donc on va faire abstraction de tout ça. Un produit. Un produit. Oh, je pensais à un truc, mais c'est un cas. Un produit. Non, ça aussi, c'est un cas. Oh, c'est pénible, hein, les consonances à chaque fois. Je sais pas. Une plante. Eh ben,
je retire le chino, allez hop, hein. On n'est plus à ça près, n'est-ce pas? Une race de chat. Une race de chat avec un cul. Le cucu chat. Je ne sais rien. Un film. J'en avais un sur le bout de la langue tout à l'heure, j'aurais dû le noter. Le film Queen, tout simplement. Voilà. Le chanteur, c'est ouais, chanteur Queen aussi. Oui, le film Queen. Qu'est-ce que j'adorais ce groupe. Un mois de l'année. Commençons par un cul, ça va être compliqué, je trouve. Hein. Et une monnaie du monde. Le quand t'en as pas, c'est que t'en as plus. non, c'est pas une monnaie, ça. Bah oui, quand t'en as plus, c'est que t'en as pas. Ou si t'en as pas, c'est que t'en as plus. J'en sais rien. De toute façon, ces lettres-là, il fallait bien y passer. Hein. On n'allait pas y couper. Voilà. Alors, donc, j'ai fait le petit tag. Voilà, avec notre magnifique lettre Q. Et il y en aura beaucoup d'autres hein, encore, parce que l'alphabet n'est toujours pas terminé. Donc, je vais barrer sur la feuille la lettre Q. Hop. Voilà. Je vais remettre cette jolie et ignoble lettre dans la partie des lettres déjà tirées. Voilà. Il nous en reste combien ? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Il en reste 18. Hein. Donc 18, 5 fois 4, 4 fois 4, ouais, 4, 4 semaines, 4 semaines, n'importe quoi. Oh, bah ça y est, je ne sais plus compter. 18, ça fait 4. Il reste 4 mois. Non. 3 mois. 3 mois. 3 fois 4, 12. Non, 4 mois. 4 mois à faire le baccalauréat. À une lettre par semaine. Il en reste 18. Si on fait... 4 semaines, 4 fois 4, 16, voilà, donc 4 mois et 2 semaines, voilà, oh bah on a de quoi venir encore, hein. Voilà, et bah écoutez, moi pendant ce petit tag, et bah, j'ai fini de faire le papillon qui est dans les tons roses, voilà, recto verso, et j'attaque le papillon qui est dans les tons bleus. J'ai déjà précédemment terminé celui-ci. Celui-ci. Et ceux qui sont dans des cercles. Voilà. Et bien écoutez, moi je vais continuer. Hein. J'attends avec impatience de voir vos vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. Donc dans d'autres vidéos. Et à vendredi prochain pour le prochain tirage au sort de la nouvelle lettre du tag du bac à lauréat. Voilà. Sur ce, je vous laisse. À très bientôt. Bye bye.